Una kulama hi maskirala? Makot. Kach zaya nire? Kach veod yoter garu. Kemo kan? At zocheret dvarim kaele? Zocheret. Kach nira bitsua onesh malkot? Ze bitsua onesh malkot bizman mifkad. Ken. Kach zaya nire? Ken. Gam etzel neshim kacha? Ken. Ces dessins ont été faits par des personnes qui ont participé, bien malgré elles, aux événements que nous allons évoquer. Avril 11 1961, un procès historique s'ouvre à Jérusalem. Le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann est inculpé conformément à la loi de 1950 sur le châtiment des nazis et de leurs collaborateurs. La peine de mort n'existe pas en Israël, sauf justement pour les criminels de guerre nazis et leurs collaborateurs. Pour la première fois, des juifs jugent les crimes de guerre perpétrés contre leur peuple et font le procès d'un homme et du système qui l'a porté au pouvoir. Un procès que le monde entier suivra avec passion, mais dont on critiquera la médiatisation excessive. On sait moins toutefois qu'au même moment, le peuple d'Israël se livre à une douloureuse introspection. En effet, pendant que Eichmann est jugé devant le monde entier, plusieurs autres procès se déroulent dans la plus grande discrétion. Mais cette fois, les inculpés sont des juifs, des rescapés du génocide accusés d'avoir collaboré avec les nazis. Ce film leur est consacré. Criminal file 160651. War crime in accordance with paragraph 1A3 of the law concerning the punishment of the Nazis and their collaborators 1950. Among other acts of brutality attributed to the defendant by the prosecution was his participation in the extermination. Pain and suffering to many prisoners in these camps. During the Nazi regime in a hostile country in the years 1945 in Bergen-Belsen concentration camp, the above-mentioned defendant severely beat and caused the death of Lola Eisner, who could not go out to the lineup because of her illness. A rubber-covered iron or steel whip indiscriminately beat and severely wounded many of the prisoners of the same camp while they slept in order to wake them for the morning lineup. Charges on behalf of the Attorney General for the Government of Israel. Tel Aviv, le 3 septembre 1961. Dans la salle d'audience numéro 4, Zvi Yanek Barenblat doit répondre des accusations de collaboration avec les nazis. L'un des témoins à charge du procès s'appelle Robin Waxelman. Lorsque j'ai entendu le nom Hanek Barenblat, je me suis mis à trembler. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai perdu les pédales. Tout commence 2 ans plus tôt, au cours de l'été 1959. Robin Waxelman va assister à un concert de musique à Tel Aviv. Le chef d'orchestre n'est autre que Zvi Hanek Barenblat. Cela fait plus de 14 ans que les deux hommes ne se sont pas vus. Barenblat, musicien de renom, était alors commandant en chef de la police juive dans le ghetto de Benjin en Pologne. Le 5 juin, au matin, Waxelman porte plainte contre Barenblat, décrivant les exactions commises par ce dernier pendant la guerre. Le soir même, Waxelman, sous bonne escorte policière, fait irruption dans l'opéra de Tel Aviv. À 18h, nous sommes entrés dans l'opéra par l'arrière. Je l'ai aussitôt reconnu. Je l'ai montré du doigt et je leur ai dit, si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, je vais faire justice moi-même. Hanek Barenblat est arrêté et placé en détention pour être interrogé. Plus de 40 procès s'ouvrent alors.
des centaines de plaintes sont déposées contre les collaborateurs des nazis dans le jeune État d'Israël. Ils sont désignés par le terme de capot. Le capot, chef en italien, était l'échelon le plus bas dans la chaîne de commandement nazi. De gré ou de force, les capots ont été les instruments des nazis. C'était eux qui infligeaient la terreur, les privations, les travaux forcés et, à terme, la mort aux prisonniers. Beaucoup essaient de commencer une vie nouvelle en Israël. Mais le terme de capot ne tarde pas à refaire surface. Même si les informations sur les arrestations et les procès sont reléguées en dernière page des quotidiens, pour les survivants du génocide, ce mot devient une malédiction. Il n'est pas rare que des hommes et des femmes soient identifiés dans les rues d'Israël comme étant d'anciens collaborateurs. J'allais monter dans l'autobus lorsqu'une femme s'est mise à hurler. C'est elle. Elle était avec ses assassins en me montrant du doigt. Le chauffeur d'autobus m'a immédiatement hissé à bord et il a démarré, laissant mon sac avec toutes mes courses sur le trottoir. Je savais que si je survivais, j'aurais des problèmes. En Israël, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans que l'on m'arrête pour me demander si je n'étais pas Magda. Je ne savais pas si c'était mauvais signe ou bon signe. J'attendais la phrase suivante en tremblant comme une feuille, car je ne savais pas si je n'allais pas être dénoncée à la police. Plusieurs de mes collègues croupissaient en prison, juste parce que quelqu'un les avait montrés du doigt. The defendant caused severe injury with the intention of causing painful wounds to David Levkovich, a prisoner of the same camp who was, and for the sole reason of being, distributing food to the camp prisoners, the defendant beat and severely wounded many prisoners of the same camp who came back from work and were waiting their turn to receive food. The above-mentioned defendant splashed a half-liter ladle of hot soup into the face of Perla Eisenstein, who was, and for the sole reason of being, a persecuted human being and about 60 years old, for asking the defendant to give her a potato from the soup she was giving her. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs sont isolés et parqués dans des ghettos où la surpopulation devient vite dramatique. C'est le premier pas vers l'annihilation systématique de tout un peuple. Le système est d'une ingéniosité et d'une efficacité démoniaques. À terme, ce seront les victimes elles-mêmes qui favoriseront leur propre destruction. Les nazis confient des tâches à certains juifs. Ceux-ci doivent faire régner l'ordre et se plier aux exigences de l'oppresseur allemand. Personne ne savait ce qui allait se passer dans les 5 minutes. Ceux qui devaient travailler étaient choisis au hasard. Il est vrai qu'ils auraient pu refuser. Sans doute au prix de leur vie, mais ils pouvaient refuser. Ceux qui étaient prêts à payer de leur vie, la fidélité à leurs principes, n'étaient en effet pas obligés d'accepter. Entassés dans des ghettos, les Juifs sont bercés dans l'illusion qu'ils pourront s'administrer eux-mêmes pour la première fois depuis des siècles. Les nazis nomment un Judenrat, ou conseil juif chargé de réglementer la vie dans les ghettos. Les responsables juifs placés à la tête du Judenrat acceptent peu judicieusement l'autorité qui leur est conférée et imposent l'ordre nazi.
En réalité, nombre d'entre eux sont en train d'organiser leur propre mise à mort. Par la suite, des policiers juifs vont assumer l'immonde logistique de la déportation des juifs vers les camps d'extermination. Zalek Parchodnik, un policier juif, écrit dans son journal intime. C'est un problème douloureux pour nous tous, mais quelle est l'alternative? Dire non aux Allemands? Désobéir? Ce serait une mutinerie. L'armée risquerait d'investir le ghetto, à Dieu ne plaise. Beaucoup de gens le paieraient de leur vie. Les premiers à être exécutés seraient les membres du Judenrat et les policiers juifs. Après tout, il nous faut accepter la volonté du Dieu allemand. Les policiers et tous les autres collaborateurs bénéficiaient d'excellentes conditions. Ils pouvaient manger à leur faim. Ils pouvaient aller partout, sans restriction. Dans le ghetto de Benjin, les nazis transforment tous les membres de l'orchestre local en forces de police juive. Hanek Barenblatt, le chef d'orchestre, continue à diriger ses musiciens dans leurs nouvelles attributions. Il est nommé chef de la police juive. À chaque fois qu'on le voyait, on changeait de trottoir de peur de le croiser. Les policiers juifs portent un uniforme et un badge individuel. Certains doivent suivre une formation spéciale dans des camps prévus à cet effet. En accordant des privilèges exclusifs aux détenteurs de positions officielles, les Allemands créent délibérément deux classes sociales au sein de la communauté juive. D'un côté, les dominants, de l'autre, le reste des habitants du ghetto. Dans ce nouvel ordre social, chaque détenteur de position se comporte selon son caractère. Certaines personnes puisent dans l'adversité la force de se hisser à la hauteur de leurs principes moraux. Alors que d'autres deviennent tout simplement des créatures prêtes à tout pour survivre. À tout. Avec l'aggravation des conditions de vie dans le ghetto, l'écart se creuse entre les privilégiés et le reste de la communauté. La solidarité juive est brisée. Avec la même insensibilité et un sens résigné du devoir, les policiers juifs s'acquittent de leur fonction finale. Zalek Parchodnik écrit dans son journal. La police juive a reçu l'ordre de rassembler la population dans la cour. 2000 policiers se mettent vigoureusement au travail. Chacun de nous bénit le jour où il est entré dans la police, car il n'a pas à s'en faire pour lui-même ou sa famille. Il est sûr d'avoir les poches remplies de pots de vin. Michel. Quiconque n'obéissait pas à leurs ordres était violemment battu. Au cours de l'été 1942, Hanek Barenblatt reçoit l'ordre de rassembler la population du ghetto tout entier en vue de sa déportation. Hommes, femmes et enfants doivent revêtir leurs plus beaux habits et avoir leur carte d'identité à la main pour l'inspection. Il ne s'agit, leur dit-on, que d'un simple recensement de routine. Quand nous avons vu Sirko et Fredo
Lorsqu'on a vu qu'ils séparaient les vieux des jeunes, les enfants de leurs parents, on a été saisis d'horreur. On était pétrifiés. Tenue en respect par les policiers juifs, la foule obéit aux ordres. La sélection s'effectue à partir de listes préparées à l'avance par le Judenrat sous le contrôle de la Gestapo. La foule est divisée en deux colonnes. L'une d'elles est dirigée vers le camp d'extermination d'Auschwitz. D'ici quelques jours, la plupart d'entre eux ne seront plus que cendres. Reuben Wechselmann et son frère sont séparés. Le père tente alors l'impossible. Mon père a pris mon frère Adash et a essayé de le faire venir dans notre colonne. Hanek Barenblatt l'a poursuivi. Il l'a attrapé, l'a roué de coups et a remis de force Adash dans le convoi en partance pour Auschwitz. Aucune situation, même la plus horrible, ne peut justifier que l'on tue autrui pour sauver sa propre peau. During the period between 1942-1944, the defendant was serving as a capo and work supervisor in a weapons factory in Skarżyski in Poland, collaborated the handling over of persecuted people to a hostile regime. Handing over a persecuted human being in a hostile regime in accordance with paragraph 5 of the law... The charges on behalf of the Attorney General for the Government of Israel. The defendant whose name is mentioned above in the quarantine camp of Palchol caused severe injury to a persecuted human being for the sole reason that he was persecuted, and this by beating Nachum Kapelgert occupied country, causing the death of prisoners in this camp, among them Leib Dickmann, a man from Wadowice, as well as severe injuries, wounds, pain. 1942, la machine à tuer tourne à plein régime. Avec une efficacité remarquable, les nazis appliquent la solution finale de la question juive. Les ghettos sont systématiquement liquidés et leurs habitants entassés dans des wagons à bestiaux en partance vers l'Est et les camps de la mort. À leur arrivée, la plupart partent directement vers les chambres à gaz. Les autres sont réduits en esclavage. Les plus forts et ceux qui ont le privilège d'avoir une position parviennent à survivre, pour l'instant. À notre arrivée au camp de concentration, on nous a emmenés aux douches. On était trois par douche, l'eau était glaciale. Ensuite, les gardiens polonais sont arrivés avec leurs matraques. Ils frappaient tous ceux qui n'étaient pas sous la douche. Comment trois hommes peuvent-ils tenir sous la même douche ? J'étais jeune et fort. Alors je me suis collé sous le jet et j'ai repoussé les deux autres. Et évidemment, ils ont pris tous les coups. L'important, c'était que moi, je ne sois pas frappé. Arrivé à ce stade, l'être humain n'est plus humain. Ils cherchaient des travailleurs. Une Allemande m'a dit, « Pourquoi tu n'essaies pas d'obtenir un poste ?» Que ça ne m'intéressait pas. Alors elle m'en a donné un et elle m'a sorti du lot. Magda Hillinger est nommée à la position la plus élevée qu'un juif puisse atteindre, Lagerältest, commandant du camp de femmes d'Auschwitz. Les commandants allemands du camp créent une structure de classe. Tout en bas, les masses de déportés réduits à l'esclavage. Au-dessus d'eux, armés de leurs fouets, se trouvent les capots. Au début, ils sont polonais et ukrainiens, mais avec l'arrivée croissante de convois entiers de juifs, des juifs occupent de plus en plus cette position. Chaque baraquement de 1000 détenus dépend d'un bloc Eltost,
un détenu juif responsable du bloc. La personne qui chapeaute le camp tout entier, soit 30 000 déportés, est le Lagerhaltost. J'étais très strict avec moi-même et avec les autres. J'étais tellement strict avec mes blocs Aldeshte que je leur disais, je veux un camp où personne ne puisse me reprocher quoi que ce soit ou venir fourrer son nez. Je veux un camp propre, ordonné, sans cris ni bagarres. Alors veillez-y. Si je m'aperçois que ce n'est pas le cas, vous serez puni. En tant que commandant du camp, Magda est autorisée à recruter ses propres assistants. Vera Alexander, une détenue, est nommée responsable de bloc. Notre amitié a commencé par deux gifles, parce que j'avais écrit quelque chose sur mon lit, avec un clou. J'écrivais des poèmes. Magda m'a giflé deux fois pour avoir endommagé des biens allemands. Mais ensuite, elle m'a apporté un bout de papier arraché à un sac de ciment et un crayon de 3 cm de long. Elle m'a dit, à présent, tu peux écrire. Et quand je distribue les repas, mets-toi en queue, là où la soupe est plus épaisse. Une personne qui meurt de faim n'est pas normale. C'est difficile à expliquer. Mais pour un homme comme moi qui pesait 37 kilos, manger était un combat, une question de vie ou de mort. Et si on vous avait demandé de devenir capot ? J'aurais accepté sans hésiter. Ils avaient besoin d'un contremaître, et comme j'étais là depuis plus longtemps que les autres, le capot m'a dit que je serais contremaître. Il n'était pas question de dire non, cela signifiait la mort. Le processus d'extermination de la descente du train à la crémation est essentiellement pris en charge par des détenus juifs. Une équipe juive spéciale attend l'arrivée des trains et dirige les nouveaux venus vers les vestiaires. Là, des barbiers juifs leur coupent les cheveux et d'autres détenus trient les effets personnels dont on les a dépouillés. Ensuite, le convoi humain est prêt à entrer dans la chambre à gaz et les détenus attendent l'arrivée du prochain convoi. À l'autre bout de la chaîne, d'autres détenus juifs, les Sonderkommando, se charge d'extraire les cadavres des chambres à gaz et de les jeter dans les fours crématoires pour leur incinération. À terme, la machine infernale consume ses propres opérateurs et d'autres prennent leur place. Les Sonderkommando savaient qu'ils allaient mourir. Pourtant, ils obéissaient. Pourquoi ? Parce qu'ils luttaient pour survivre. Si je fais tout ce que je peux, je survivrai peut-être. Et j'ai eu cette chance. Mais des milliers d'hommes sont morts autour de moi. Refuser de collaborer avec les nazis signifie l'exécution immédiate. Obéir, en revanche, ne fait que repousser un verdict inéluctable. Mais qui serait prêt à renoncer à une chance, aussi minime soit-elle, de survivre ? To refuse. Refuser aurait été stupide, surtout après avoir vu comment on se faisait battre, à quel point on n'était rien du tout. Alors, pourquoi refuser l'occasion de se sentir comme un être humain ? Personne au monde n'aurait refusé. Rien n'aurait été plus stupide. Les détenteurs des positions sont responsables de la discipline, mais privilégiés.
chargés de distribuer les repas, ils sont mieux nourris que les autres détenus. Voici ce que le capo Eliezer Greenbaum a consigné dans son journal. J'ai essayé différentes méthodes pour distribuer la soupe. En fonction de l'âge, en fonction des plus nécessiteux, ça n'a pas marché. On a beau crier et supplier, ventre affamé n'a point d'oreille. Je me souviens avoir giflé un jeune garçon qui essayait de resquiller pour passer en tête. Il m'a retourné un regard si lourd de tristesse et de désespoir. J'aurais voulu m'enfoncer sous terre de honte. Certains capos frappaient les détenus. Ils leur cassaient un bras ou une jambe. Parfois, ils les battaient si violemment qu'ils ne pouvaient pas travailler le lendemain. C'était la mort assurée. Lorsque c'est possible, les détenus en colère ripostent. Il est arrivé que des capos soient condamnés à mort par d'autres prisonniers. Une nuit, six hommes ont pendu un capot. Lorsqu'ils m'ont demandé de me joindre à eux, j'ai dit que je venais d'une famille religieuse et que je ne pouvais pas tuer. Alors j'ai fait le guet. Ça a duré à peine quelques secondes. Mais j'étais là pour éviter qu'ils se fassent pincer. C'est là que j'ai perdu toute moralité. Pourtant, malgré la cruauté et l'absurdité de l'univers concentrationnaire, certains capos parviendront à sauvegarder leur dignité et leur humanité. Mon capot n'a jamais levé la main sur ses détenus. Une fois pourtant, il m'a giflé. Et en faisant ça, il m'a sauvé la vie. Je travaillais penché en avant et en me redressant, je me suis retrouvé nez à nez avec un SS. Je ne l'avais pas vu approcher et je l'ai regardé dans les yeux. C'était interdit. C'était une chose terrible à ne jamais faire. Fritz, notre capot, a tout de suite compris. Il m'a aussitôt giflé en braillant « Reprends ton travail, que fais-tu debout ?» Et je suis sûr qu'il m'a sauvé la vie. Le SS aurait très bien pu sortir son revolver et m'abattre sur le champ. Fritz était une exception. La plupart des capots bafouaient les règles de la solidarité juive, j'en suis persuadé. Francis et Théa ont toutes deux survécu aux horreurs d'Auschwitz. Mais à l'intérieur du camp, elles n'avaient pas le même statut. Francis était responsable d'un bloc de 1000 détenus. Théa était l'une d'entre elles. Elle aurait pu me tuer si elle avait voulu. Et personne n'aurait rien dit. J'avais peur d'elle. J'avais peur de tous les fonctionnaires. Ils avaient tellement de pouvoir. Peut-on imaginer qu'un gouvernement, le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas des responsables pour tout réglementer? Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si on avait fait ça dans le camp, si on avait laissé les Allemands appliquer leur plan? Je ne sais pas à quoi Auschwitz aurait ressemblé. Je n'ose l'imaginer. During the Second World War in a hostile country in the years 1944 to 1945, the defendant committed the following acts while serving as a capo in the Bulkingholm concentration camp in Germany: murder and persecution of the civilian population of an occupied country, causing the death of a 15-year-old of Franz Reich and other prisoners whose names are unknown. To kneel for long hours with the bodies in a stretched position, kept them for many hours before the daily lineup and after, beat them and he found a pot full of urine under one of the beds. An old man came down and said it was his. The defendant beat him and then took a rope and tied the old man's penis and dragged him round the hall and ordered him to shout, "I won't piss again."
certains détenus juifs trouvent le moyen d'utiliser leur position pour sauver des vies. Je me souviens, quand je suis arrivé à Birkenau, j'ai vu les prisonniers qui étaient là et qui portaient les mêmes tenues qu'à Auschwitz. Je me souviens que l'un d'eux s'est approché et m'a dit « Exagère ton âge et dis que tu es un ouvrier qualifié. » Puis il est reparti. Je ne sais pas qui il était. Il m'a parlé en yiddish. Que pouvait-il faire d'autre à côté de ce SS qui indiquait une direction ou l'autre? Il aurait pu crier « Tu vas mourir, sache-le, tu vas mourir ». En quoi nous aurait-il aidé en faisant cela? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Des innocents allaient finir dans la cheminée et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Je me disais, comment puis-je empêcher ça? Comment? Je ne pouvais pas. Et je souffrais de voir Mengele siffloter l'air de cette valse. Vous connaissez cette mélodie. Partez à droite et un autre à gauche, sans qu'un mot soit proféré. On était obligé de se tenir dans le passage des femmes qui allaient aux chambres à gaz. Je tenais la main de Anne-Lise, une SS. On essayait de faire partir les femmes de l'autre côté. On leur a dit « Courez vers les blocs ». On s'était mis d'accord avec Magda pour semer la pagaille. Et c'est ce que nous avons fait. Irma Grise, qui était dans le même bloc que moi, c'était mon amie, m'apportait du beurre et des saucisses de cheval, mais qui étaient bonnes quand même. On se parlait souvent. C'était une toute autre histoire avec Irma Grise. Et elle s'est mise à tirer. Elle a tué une femme. Son cerveau a giclé sur mon épaule. J'ai lâché la main d'Anne-Lise et j'ai couru vers le bloc. Le lendemain, Irma Grise vient vers moi et je lui dis « Tu aurais pu me tuer quand tu as fait sauter la cervelle de cette femme. » Et elle me fait « Et alors, une de moins ? » Certains dormaient sur les lits ou étaient trop faibles pour bouger. Dans les coins, entre les lits, des gens priaient. Dites quelque chose aux enfants, mentez-leur s'il le faut, mais calmez-les, pour l'amour de Dieu. Ces mots ont eu raison de mes nerfs déjà fragiles. Je me suis mis à hurler. Vous ne voulez pas regarder la réalité en face? Qui veille sur vous? Pourquoi êtes-vous si silencieux? Inconsciemment, j'en voulais à ces gens qui étaient prêts à mourir sans même envisager de résister. En 1944, les Juifs hongrois sont déportés. En un jour, le 22 juin 1944, j'ai vu 18 000 personnes entrer dans les chambres à gaz. 18 000 personnes. Auschwitz était un camp énorme. Énorme. On ne pouvait plus voir un seul coin de ciel bleu. Grisâtre. Qui recouvrait tout le camp. C'était les gens qui brûlaient. Les fours crématoires et les chambres à gaz tournaient 24 heures sur 24.
L'ordre et la discipline sont effectivement maintenus à l'intérieur du camp à la satisfaction des Allemands. Se rebeller est hors de question. Toute velléité de résistance est, dans la plupart des cas, étouffée par les détenus eux-mêmes. La révolte grondait. Et je savais que si ça continuait, les SS allaient débarquer et tirer dans le tas. J'avais en réserve un bâton que je tenais dans ma main et je suis sorti sans rien dire. Ils attendaient que je fasse ou que je dise quelque chose, mais je me tenais là sans dire un mot. Puis j'ai fait un pas en avant en levant le bâton. Alors ils ont reculé et ont commencé à se taire. Et j'ai fait un autre pas en avant, mais plus énergique, toujours en levant le bâton, et ils ont encore reculé. J'ai recommencé une ou deux fois, et ils se sont tus. Et je leur ai dit, rien de bon ne va sortir de ça. Vous vous faites du tort vous-même, je ne peux vous laisser faire ça. Ce n'est pas moi qui vous ai amené ici. Ce n'est pas moi qui veux que vous soyez ici. Je n'ai pas envie d'être ici. Mais je sais que si la révolte gronde, ce que je veux éviter, les SS vont venir et ils ne vont pas juste faire un pas en avant. Je donnais l'impression d'être si forte. Mais lorsque j'ai regagné ma chambre, je me suis mise à pleurer. À pleurer, à n'en plus finir. Mais était-il vraiment essentiel de maintenir l'ordre dans l'antichambre de la mort? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, la manipulation des Juifs pour en faire des collaborateurs s'inscrivait bel et bien dans le plan nazi pour détruire les Juifs d'Europe. En réalité, hormis quelques tentatives de rébellion sans conséquence, la routine du camp s'est poursuivie de façon ininterrompue. Je suis convaincu, et aujourd'hui plus que jamais, que sans ses collaborateurs juifs, les nazis n'auraient jamais pu tuer 6 millions de juifs. Mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale s'achève et le monde pousse un soupir de soulagement. La menace allemande est éliminée et la victoire symbolise le triomphe de l'espoir et de la justice. Pourtant, elle ne fait que souligner l'ampleur de la catastrophe subie par les Juifs. Pour eux, le mot « tragédie » revêt un sens nouveau. Dans la guerre totale que les nazis leur ont livrée, ils ont tout perdu, leur identité, leur dignité et leur espoir. Chez beaucoup, cela aiguise le désir de châtier les responsables, y compris les collaborateurs juifs. À la fin de la guerre, ces collaborateurs essaient de se fondre dans la masse de leurs victimes. Souvent, ils sont démasqués et c'est alors le lynchage ou un simulacre de procès dont l'issue est invariablement la mort. «
La plupart de ceux qui parviennent à fuir émigrent à l'ouest. Quelques centaines partent en Israël et bien qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des rescapés du génocide, ils vivent dans la peur constante d'être découverts. Parmi ces nouveaux immigrants arrivant en Israël se trouve Magda Hillinger. Ça a été très dur pour moi. Je savais que c'était le sort qui m'attendait. J'étais à Machane. Je suis allée avec mes deux enfants de 2 ans et demi et 1 an et demi laver du linge à la laverie. Soudain, les femmes se sont mises à faire des messes basses. Je savais que quelque chose clochait. J'étais là avec mes deux enfants et le cœur dans la gorge. Ne sachant pas quoi faire, car ils auraient très bien pu tous nous tuer. Des centaines de plaintes sont déposées contre les collaborateurs juifs. On reconnaît des capots à chaque coin de rue, aux arrêts d'autobus, dans les magasins. Mais comme aucune loi ne permet de les poursuivre, la plupart des personnes arrêtées sont relâchées après un bref interrogatoire. En août 1950, à la demande générale, le Parlement israélien adopte une loi spéciale pour les crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs. À partir de là, les tribunaux peuvent être saisis. La police crée une unité spéciale chargée d'enquêter spécifiquement sur de tels cas. J'ai toujours essayé d'imaginer comment ils se comportaient. La tête qu'ils avaient quand ils frappaient, quand ils criaient en chassant les femmes de leur chambrée. Je leur demandais, pourquoi ? Pourquoi avez-vous frappé cet homme qui avait renversé sa soupe et qui était venu en redemander ? Pourquoi avez-vous frappé cet homme qui ne descendait pas les marches assez vite? Pourquoi avez-vous fait cela? En général, il gardait le silence. Quand l'inculpé comparaissait devant le tribunal, il arrivait toujours par une porte dérobée. Les gens l'insultaient, lui crachaient dessus. Parfois, ils essayaient même de le frapper. Ils hurlaient « Capot, comment as-tu pu ?» We have also decided in a majority vote to convict the defendant regarding the offense of crimes against humanity. The severity of the actions proved against the defendant do not reach the level of severity qualifying as war crimes and crimes against humanity, and we acquit the defendant of the charges in accordance with the first and second item of the charge. Yechezkel ben Alish Alexder, war crime in accordance with paragraph 1A3 Un procès émerge du lot et retient l'attention de l'opinion publique. Yechezkel Alexder, le capot accusé du meurtre de 8 déportés au camp de concentration de Gridlitz, est reconnu coupable et condamné à mort. Il fait appel devant la Cour suprême et, pour motif de santé, sa sentence est commuée en peine d'emprisonnement. Engster meurt en prison. D'autres capots purgent des peines allant de 1 à 7 ans de prison selon la gravité des crimes commis. Hanek Barenblatt, le chef de la police juive du ghetto de Benjin, est accusé d'avoir empêché des juifs de passer de la colonne destinée à Auschwitz à celle des travaux forcés et d'avoir enlevé de force des orphelins pour remplir son quota de déportés. Il est condamné à 5 ans de prison. Peu après, il fait appel devant la Cour suprême. Le juge Chaim Cohen est l'un des 3 magistrats qui statuent sur sa demande d'appel. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que nous ne pouvions pas condamner ces gens. Nous ne pouvions pas nous mettre à leur place. Il faut faire ça si on veut juger quelqu'un. Lorsque quelqu'un agit alors qu'une menace de mort pèse sur lui ou ses enfants, on ne peut l'accuser de ne pas être solidaire avec son peuple.
On doit d'abord être solidaire envers soi-même et ses enfants. Ce n'est pas seulement naturel, mais moral. C'est permis. J'ai eu du mal à dormir pendant plus d'un an. Parfois, je ressentais beaucoup de compassion pour ces gens. D'autres fois, j'éprouvais du dégoût. Barenblat est acquitté de tous les chefs d'accusation. La Cour suprême décrète que l'on ne peut condamner quelqu'un pour des faits commis alors qu'il est menacé de mort. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. Je n'ai pas rêvé toutes ces choses. J'ai vécu tout cela. Mon corps, mon âme et ma mémoire sont marqués à jamais. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de résurrection. Après son procès, Barenblat se remarie et s'installe avec sa nouvelle épouse en Allemagne, où il poursuit sa carrière musicale. À ce jour, il a toujours refusé d'évoquer son passé. Il mène une vie paisible et a demandé à ne pas être interviewé pour ce film. Le capot Eliezer Grimbaum émigre en Israël. Il s'enrôle dans le Palmach, l'embryon de défense israélienne, et prend part à la guerre d'indépendance d'Israël. Il est tué lors de la bataille de Ramat Rachel, non loin de Jérusalem. D'après certaines rumeurs, il aurait été tué par un rescapé qu'il aurait reconnu. Ces rumeurs n'ont jamais pu être confirmées. Vera Alexander n'a jamais été jugée. Aujourd'hui, elle vit avec sa famille dans le nord d'Israël. Le fait d'avoir assumé des charges dans les camps ne lui pose aucun problème moral. Ce n'était pas pour le pouvoir. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Cette volonté de survivre, de survivre. Magda Ellinger a été interrogée par la police, mais jamais jugée. Après l'enquête, dont elle a été l'objet, elle a immigré en Australie avec son mari et ses deux filles. À ce jour, Magda justifie l'histoire de sa vie sur cette lointaine planète nommée Auschwitz. J'ai été choisie par le destin, il me semble. Choisie par le destin pour sauver, pour aider, par tout ce que j'ai fait. Francis n'a été ni interrogé ni jugé à propos de sa conduite pendant la guerre. Théa et elle, toutes deux rescapées d'Auschwitz, vivent aujourd'hui en Australie. Théa a choisi de pardonner et malgré leur statut si différent de simples détenus pour Théa et de responsables de bloc pour Francis, elles sont devenues très amies. Lorsque la guerre s'est terminée, je ne ressentais plus rien. Je n'étais pas heureuse, je n'étais pas malheureuse, j'étais en train de mourir. Il faut essayer de comprendre. Je ne sais pas comment dire cela. J'ai saisi une étincelle de vie. La volonté de survivre était très forte à Auschwitz. Et tout le monde, y compris moi-même, faisait tout pour survivre. Je savais qu'elle était prisonnière, comme moi, et je ne lui en ai pas voulu d'avoir accepté cette position, parce qu'elle voulait survivre, ce que je pouvais très bien comprendre. J'ai beau chercher, mais plus je cherche et moins je comprends.
En ce qui me concerne, je suis reconnaissant pour une chose. Je suis content d'avoir pu préserver ma dignité et de ne pas avoir perdu ma foi en l'humanité, même s'il s'en est fallu de peu.